Et je Sinon, comprendrai vous, jamais aussi. quoi de neuf? Ouais. Bah écoutez, pas grand chose, hein. Je me suis un peu éloigné ces derniers temps du ranch. Avec ce qu'il y avait eu, avec le cadenas, là, je prends un peu mes gardes. Et j'essaye de me barricader un peu à l'écart de mon ranch pour. Pour un peu de prévention par rapport aux clones, quoi. Sait-on jamais? Ok. S'ils arrivent à passer au-dessus des murs du ranch, je suis pas dans la merde, quoi. Bah d'ailleurs, en parlant du ranch, moi hier je suis tombé sur quelqu'un qui vous avait laissé une lettre, William. Ouais. Ouais, du coup il s'est installé ici, c'est peut-être même lui qui est en train de construire là dehors, avec les rondins, tout ça. Ah, je sais pas, j'ai Ah, essayé de il a le. allumé un feu, d'accord. Je viens de voir. Et la fumée J'ai qui sort de essayé la chimie. de le contacter plusieurs fois en radio, j'ai jamais eu de réponse. On peut aller le voir, hein. Il en avait pas à son nom. Ouais, pourquoi pas. Bon, venez, on va se garer devant chez lui, il y a une grande place. Vas-y, bah j'y vais à pied. Ah, moi j'y répondrai le véhicule après. Je vais juste faire gaffe que personne parte cette fois-ci. Bonjour. 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 Faut faire gaffe, vous vous Docteur? dormez, hein. Ouais, t'es qui toi? Mais c'est mon dieu. Ah! Ouais, dis-moi. J'ai toujours le problème de la maladie. Genre, T'es tout à encore l'heure tombé j'étais à côté malade? de la station essence, au sec et tout. Et je suis tombé malade. Mais là, en fait, je prends des multivitaminés et ça passe. La maladie, je comprends pas. Il s'appelle Warren. Attention, je Ouais, passe. Warren. Je sais qu'il avait eu un patient qui est mort d'une maladie similaire à la tienne. Ouais, je mange bien, je bois bien, je me réchauffe bien. Là, j'ai fait un feu dans la maison. Parfait. Et là, t'es malade ou quoi? Non, en ce moment, je suis pas malade. Ok. Les vitamines marchent en fait, ça me calme. Ok, bah reste près du feu. Reste près du Ok. feu. Au revoir, bonjour. Au revoir, bonjour. Alors, rebonjour. Ah, la maladie de l'hémoté au cerveau. Ouais, le pauvre, ça fait 15 fois qu'il tombe malade. Il n'arrive pas à déterminer ce que c'est, on a tout fait. Purification du sang, les médocs, le sérum, enfin, bref, j'ai tout essayé. Et là, je vais essayer de contacter un confrère si ça peut t'aider. Je sais qu'il est déjà Bon. tombé sur un cas similaire au sien. On va direction la. Direction chez le journaliste. Allez. Ah, je vous suis, hein, et puis après je continuerai mes travaux en fin de journée. Merci encore pour les clous. Hein. Y'a pas de soucis. C'est loin le journaliste ou. Non, c'est jusque Bon, là, je là, sur la pense. place. C'est ici leur bureau. Ça regarde, mais comment il est beau le monument ici. Ça c'est de la gueule. Ouais. Bien, bonjour. Quelqu'un? Ils ont pas l'air d'être là. Il y a des outils. Ah. Oula, le fusil. Oula, le fusil. Le fusil, le fusil. Eh oui. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, y'a rien, hein. Y'a rien. Et il va repleuvoir, c'est super. Ouais, ouais, bah tant moi je mieux. pense que je vais prendre la route. Allez. Écoutez, merci pour les clous, et Ça va puis remonter. à la prochaine, et puis passez le bonjour à tout le monde à Eclipse. Y'a pas de Ouais, soucis. toi aussi, genre, fais attention, écoute. Bah, nickel. Bon courage pour le taf. Et Attends, bonne j'aurai une journée à vous. petite clope vite fait, doc. Allez, comme d'habitude. C'est de l'activité, c'est bureau.
Ouais, depuis que tous les petits cocottes ont été éliminés de la ville, c'est vrai que c'est un peu plus mouvementé. Il reste juste le Hamed, mais ensuite on peut être un peu tranquille, je pense. Ouais. Alors, très bien. Ouais, toi aussi. Merci, vous aussi. Putain de merde. Hop. Ouh. Y a quelqu'un? C'est une bibliothèque ou quoi? My nights don't seem so endless. My days don't seem so bare. I'm walking on a cloud and there's music in the air. I feel just like a live wire. I've been thrilled through and through since I first met you. The stars that shine at night seem so more clear and bright. The world seems fresh and sweet. My life seems more complete. Through the lonely years I find my dreams are true. Since I first met you, I pray to the Lord up above to send me someone to love. And now I know my... Du coup, attends, tourne-toi et ferme les yeux. Tu tournes pas, hein? Non. Tu peux te tourner. Regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, c'est génial! Oh, c'est trop super! Ouais, j'ai eu peur quand je les ai mis dans la voiture, je t'avoue. Je pensais que ça allait me péter à la gueule, mais. C'est pour fêter notre arrivée c'est ici. C'est génial! Oh, c'est trop super! C'est beau! Oh, j'avais pas vu, oh mon dieu! Ah, t'avais pas vu en haut? C'est pas vrai! Mais non! Oh, c'est dingue! Oh, c'est trop génial! Donc oh, voilà. Bon. Ah, j'adore cette odeur! Eh bah, ben écoute, ce soir, s'il y a pas trop de brume, j'essaierai d'en allumer un et puis on ira voir la vue qu'on a à la maison. Ah, oh, c'était super! Magnifique surprise! Oh, eh bah, c'est nickel! Trop génial. Elle est bien rentre parce que j'avoue, avec le bruit, on sait jamais. Oh, c'est dommage, j'ai loupé la moitié du spectacle! T'as vu la brume en tout cas? C'est pas rassurant. Ouais. Ah, c'était beau. Moi je savais que ça allait te faire plaisir. Ah oui. J'ai comme l'enfant là. Ah, je pense que ça va être pas mal ici. Ouais. Moi en tout cas, je m'y sens bien. Ah oui, mais puis les travaux. Et plus fait, en sécurité. Et bah, c'est parfait. Faudrait juste que je pense à faire une boîte aux lettres peut-être, je sais pas. On va voir.
comme c'est joli. Ah oui, tu peux en faire une. Mais enfin, je sais pas. On verra bien. Et salut, salut. Salut Doc, ça va? Ah ça va, hein, ça fait de la forme. Et bonjour Olia. Je peux garer où la voiture? Oh, tu la mets où tu veux, hein, franchement. Essaie de la mettre de ce côté-là. Ouais, bah, je vais me mettre devant l'ancien guitariste, là. Bah écoute, parfait. On est au niveau du bar. Ouais, bah j'arrive. On arrive, pardon. Excuse-moi, Olia. T'as le temps de merde qui fait. Tu sais où ça se passe? Ouais, ils sont au bar. Ok. J'ai l'impression qu'il fait moins frais que d'habitude, non? Ouais, je sais pas, le temps, il a l'air bien couvert. Hein. Je crois qu'il est pas au courant qu'on est les champions de boxe de la région. Sors. Bonjour tout le monde. Salut, ça va? Salut. Salut, salut, ça va? Ça va. Ils sont en train de se chauffer là. Ils sont prêts. Ah ouais? Il y a qui se fout sur la gueule ce soir? Bah moi je vais attendre. Tous? Non, c'est juste Nicolas. Nicolas, c'est juste qu'on a deux petits tricheurs ici, du coup, avec le doc, on s'est dit qu'on allait les corriger. T'as encore du tonnerre. Hein. Oui, on va à l'abri. Mais il va plus. Ah, Sam, je vais le voir, mais c'est ça va, Yvan? Ah, tranquille, hein. Il est pas là, Ivan? Non, bah. Je suis venu tout seul la dernière fois et j'ai pas eu de nouvelles de lui en radio. Pas mis ça va, Olivier. Putain, dommage. Ça va, mais quand on parle de combat à main nue. S'il se réveille, je vais aller le chercher. Ouais, ouais, parce que la dernière fois, quand j'ai dormi dans votre grange, j'ai vu ses mouvements, il a l'air rapide. Hein. Ouais, bah ouais. Il est plutôt bon. Ça aurait pu être intéressant qu'il soit là ce soir. Il est pas trop tard. Il est meilleur que moi, c'est sûr. Ouais. Le doc, il a des picous. J'aurais préféré que ce soit lui qui se batte, tu vois. On aurait gagné à coup sûr. Ah ouais, c'était Ivan, ouais. Moi c'est mort Ivan, je ne rentre pas dans le ring avec lui, c'est mort. Mais moi il me fait pas peur du tout Ivan. Ah, Ivan il a pas d'armes, mais vu les rondins qui soulèvent, j'ai pas envie de m'en prendre une de sa part. Ah moi non plus. Ah tu vois. Vu comment il bosse en vrai, monter les rondins sur les tours et tout, moi je vous le dis Ivan, faut pas le faire chier. Voilà. Bon. Ivan, pas on Ivan. Est d'accord sur ça. C'est la même chose. Bon, ce soir il y a pas grand habitant hein. Tant mieux. Ouais, c'est bien calme, ça fait plaisir. Les gens préfèrent aller au camping, nager dans un lac, que venir se battre. Ah bah nager dans le lac avec le temps qu'il fait là, je sais pas comment ils font. Ces derniers jours, ça donne pas envie de se baigner. On organise des trucs, il y a toujours du monde. Ouais, après c'est parce que c'est un petit vieux. Hein. Si les gens veulent pas venir à Camex, est-ce que c'est un problème au final? J'aurais peut-être dû l'organiser. On est bien, hein, ouais, c'est vrai. Contre nous. C'est vrai. T'as pas pensé. Là, tu viens de nous faire un petit message sur la radio en disant qu'il y aura à boire et à manger. Tu vois. Ça, c'est un mensonge. Non, c'est vrai, c'est un mensonge. Mais ça attirera le monde, c'est pas grave. Mais même vraiment, pourquoi il vient pas? Il a quand même une sacrée carrière, le vieux, pour son âge. Bah, j'ai proposé aux autres qui viennent, mais bon. Ah, Sam, il est pas prêt à taper un vieux. En plus, c'est pas comme si le camping c'était absolument à 5 minutes à pied. Non, bah non. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Bah écoute, bon, moi le combat il sera en interne et on perdra pas de clous. Ouais, c'est à part si Sam gagne. Oui. Ça, tu pourras m'acheter une belle voiture noire. J'espère. Ouais. Dis-moi, vous avez combien de voitures noires? Avec Ivan. Non, mais j'en ai vu une qui me plaisait bien. De quoi? T'as combien de clous au total, toi? Aucune, mais franchement, c'est Yann qui les garde. Et je crois qu'on l'a plus beaucoup. Parce qu'on a fait le chantier de Raymond. Ok, je comprends. T'as des choses, tu seras là la prochaine moto d'enchère. Ah, t'inquiète, je vais participer.
Ok. Ça va être intéressant. Y a des voitures? Ah, il y a une voiture, hein, effectivement. Un bon petit bolide. Tout large, tout noir. Il y en aura peut-être 3 de plus, qui sait. Tu penses? Tu vas mettre des voitures hein, pour les enchères. Bah vu vu à quel point t'es généreux sur les ventes aux enchères. Je me dis que t'en veux aller. Ça peut vite monter en France. Hein. Ah bah, d'ailleurs je me dédouane de toute responsabilité hein, quand le doc est généreux comme ça, c'est son propre ouais, tu veux voir et ça nous énerve un peu d'ailleurs. Tellement il aime les jeux d'argent. Foiré. Ah bah c'est clair que pour ça il te fait couler la baraque. Hein. Ouais, c'est bien le problème. Heureusement que l'argent c'est plus si important. L'argent? Bah écoute Victor, si on se bat toi et moi, je te jure, hein, et si t'arrives à me battre, je te file 1500 clous. Mais qu'est-ce putain, que tu la vache. 2500 clous. Ah tu me les donnes Victor? Qu'est-ce que je... Voilà. Ah mais moi c'est pas des clous qui m'intéressent d'ailleurs, je sais pas. Alors, vraiment plus je rigole, j'en ai plus besoin moi de clous. Ça y est, t'as fermé les films? Oh depuis longtemps ouais. Et tant mieux. Ouais. Pour des caisses et j'irai voir Ivan et puis les clous, de toute façon construire chaque fois je me mets un coup de marteau sur le doigt ou les murs ils sont pas droits. Enfin je fais ce que je peux avec deux planches quoi et c'est tout quoi. Oh, ça va, ah ouais, tu non, t'en sors quand après, même pas mal. Après, ça, du moment que plus personne ne peut rentrer dans ta ferme, c'est ouais, carrément. Après, c'est vrai que la tour de guet, la première là, bon, en tout cas les bases, j'en suis quand même assez fier. Hein. Mais heureusement qu'Ivan est venu pour la suite parce que j'aurais tout foutu en l'air, je suis sûr. Ouais. Putain de pluie de merde. Ouais, on attend que la pluie elle cesse et ensuite on va se battre. Ah, ouais, je vois c'est une bonne idée ça. Allez. Vous pensez qu'il y aura personne qui va arriver? Tu vas peut-être attendre longtemps que la pluie s'arrête tard. Ouais, c'est vrai. En ce moment, ça dure des heures et des heures. Ah ouais, ça. On va se réchauffer. Oh là. On fera un grand coup en fait. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas un préau, un vrai préau. Bon, bah, ça va là. Ouais, là, c'est cosy. On est un peu serré. Bon, ça va, il y a pire. On connaît neuf dans la région. Pas d'autres tueurs. Bah à part le Ahmed, il n'y a rien de spécial. Hein. Ouais, non, ouais, mais j'ai Ahmed, c'est fondé ou c'est juste une rumeur parce que. Si un avis de recherche ah, est mort. Ah si c'est fondé. Ouais, si c'est fondé. Ouais, non, mais ah venant de Raymond, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Les brèches. Bah les brèches ça craint. Les brèches ouvertes. Ouais. Ah ouais. Bah ouais, refaire. Ah, ça explique peut-être tous les clones que j'ai eu. La parce que j'en ai vu un paquet. Non, on est passé contrôlé au brèche hier soir et tout était ouvert. Bon, là, oh putain. On a failli se faire bouffer par un ours en même temps. C'est du plaisir. Ah c'est pas la joie, putain. Donc on va voir avec Ivan s'il y a moyen de renforcer. Enfin, renforcer ça de façon plus significative. Heureusement que ouais, bah ouais. Participants, comme ça les plus sont pas perdus. Ah ouais, c'est sûr. Heureusement qu'on va vérifier quand même. Quoi. Parce que si après, on vérifié, ah c'est vrai que c'est compliqué. Bon, il y a qui gère au niveau des brèches pour ça, parce que moi je pourrais aider, mais ça va pas tenir longtemps, quoi. Faudrait qu'on demande à Ivan. Ouais, ah, bah, ah bah après Ivan. Ivan, il a beaucoup de choses à faire, mais après, je pense pas si c'est urgent, bien sûr qu'il ira, hein, c'est la priorité. C'est une priorité quand même, ouais, voilà. Mais bah, Ivan, peut-être qu'au bout d'un moment, il est fatigué, quoi. Parce qu'il a pas arrêté hein, depuis. Hein. Ça prend le temps, ouais. Ah, bah, en même temps, il a pas arrêté à faire des nuits blanches et tout pour, il peut pas, pour le ranch. Il peut là. Pas être comme chef de chantier, tu vois, il explique et puis les autres font. Ah mais qui ira là? J'ai quelques bases maintenant, je peux prendre le relais, mais je veux dire, il y a des trucs que je peux pas faire, moi, des tours de guet, j'ai aucune idée de comment ils se démerdent pour faire ça. Ouais mais s'il est là, il peut pas bûcheron, c'est de couper les bois, mais... Moi je vous le dis, j'ai vu de loin avec Assem, bon, chaque fois, je suis désolé, à chaque fois que j'en ai ici, je parle d'eux, mais...
Le Lucas et Luciano, le bar de loin, ça avait l'air quand même pas mal, hein. Peut-être qu'ils se démerdent au niveau des constructions, eux. Bah franchement, ils ont bien géré. On pourrait mettre la, on pourrait mettre la rancœur de côté, si c'est pour la cause commune, au bout d'un moment, je pense pas qu'il y ait de questions à se poser. Hein. Après, la rancœur, après, elle est de l'autre côté, hein. C'est pas bizarre, je crois pas. On peut taper maintenant. Ah bah je sais pas, j'ai cru comprendre qu'ils s'étaient fait virer d'ici, bon après, peut-être qu'on me dit de la merde, hein. Non, Dragomir a demandé à lequel ils sont partis, effectivement. Donc ils ont encore leur bar ici? Non, c'est fini. Ah voilà, c'est pas ce que je dis. Oui. C'est pour ça que je dis que la rancœur vient d'ici et pas forcément d'eux, de lequel ils sont. Ah oui. Après, moi je vous le dis, vu comment ces gens-là y pensent, je pense que les failles, c'est le dernier de leurs soucis. Hein. Il y a de la rancœur à raison. Attention, je dis pas le contraire. Hein. Mmh. Enfin, après, je dis ça, mais moi, pour l'instant, s'il y a vraiment par rapport au clone, c'est bon, au bout d'un moment, on n'est plus des enfants. Quoi. Oui, c'est ça. Comme j'ai toujours fait ici avec Piotr et Boromir, je sais me tenir, moi. Retourner les voir malgré ce qu'ils avaient fait, c'est pas là le problème. Mais c'est plus que la première fois, ils nous avaient dit qu'ils savaient pas construire et ils étaient pas venus aider. Donc, je sais pas s'ils sont intéressés ces trois-là. Ah bah, ça, c'était une information que j'avais pas, ça. Ah, mais j'étais pas disponible. Oh, de toute façon, après. J'ai tapé, ils savaient pas construire. Oh, moi, j'en sais rien, j'étais pas là. En tous les cas, c'est bien la merde. Ah, je vous ai dit, de loin, ça avait l'air pas mal. Je suis pas rentré dedans, mais... Oui, ouais, ça avait l'air... Je suis pas arrivé... C'est pas terminé, mais c'est vrai que ça avait l'air... Sacré construction à l'intérieur. On fait quoi, là, du coup? Vous voulez pas vous battre maintenant, là? C'est le déluge. Ouais, j'avoue, il pleut, franchement, il y a personne à part les personnes qu'on connaît, quoi. Donc ici, il y a Boromir, Dragomir, moi, Lazare, Assem, même Victor, il était partant. C'est du bon monde, quoi. Voilà. C'est pas super intéressant. S'il y avait eu du monde, quoi. C'est ça, c'est pas super intéressant, il y a rien en jeu. Et aussi, il y avait une autre histoire qui s'est produite hier ou avant-hier, c'est la vol... Allô, Moussa ? C'est le vol de la voiture de Monsieur Sofiane. Il a volé sa voiture, il s'est pas tiré. Moussa, tu m'entends ou pas ? Il a tiré sur la personne qui l'a conduite. C'est Nicolas à la radio. Ouais, Nicolas, comment ça va ? Ça va et toi? Je vois avec. Ouais, moi je suis à Camex là, y a pas grand monde qui vient pour se battre. Est-ce que c'est rassurant? Je sais pas, peut-être, mais. Salut. Salut, c'est qui en radio là? C'est Raymond. Ah, ça va Raymond? Ah, salut Cassandra. Ouais, impeccable. Vous comptez passer à Camex ce soir, parce que le doc il avait l'air un peu déçu pour son tournoi là. Ah ouais, mais j'aimerais bien sortir, mais il y a Fantomas dans les bois. Comment ça, Fantomas? Ouais, il y a l'autre qui cherche là. Qui ça, Ahmed? Ah bah oui, il est caché. Attends, il est autour de chez toi là? Ah bah depuis qu'il est parti, il traîne autour quoi, mais là on sait pas où il est. Hein. Mais bon, justement, c'est ça le problème. Oh putain, j'ai cru entendre un ours. Ah, chez moi, pas chez toi. En tout cas, ça n'est pas de la radio, quoi. Eh bah écoute, fais attention quand même, et puis si tu viens, préviens-nous. Et ouvre bien l'œil. Après, je t'avoue que le Ahmed, il a quand même tué 100K et il l'a découpé. Mais ça a pas l'air d'être une lumière, donc je pense que si tu lui tombes dessus, il va plus se chier dessus qu'autre chose. Non, c'est vrai que c'est quand même bizarre. J'ai jamais vu manger quelque chose ou quoi. Je coupe le mec et il met des boules ici et il croit qu'on va aller bouffer ou quoi. Ouais, bon je vais pas vous mentir, je suis un peu à l'écart, il pleut. Et puis si vous passez, tenez-nous au courant sur la radio. On a le Camex. Ok, pas de problème. Ouais, bon courage. Merci à vous. Mais viens, on fait un 2 contre 2, c'est plus drôle, non? Vas-y, Doc, moi allez, je on fait un 2 contre 2. Ah, mais non, ouais, non, pas Doc. Allez, on fait un 1 contre 1.
Allez, assez. Et si t'arrives à me. Si t'arrives à mettre KO. Mais je vais pas me battre avec toi, on attend que la pluie elle se calme. Vas-y, on fait des photos avec toi. Attends, tu m'as dit si je te gagne. Il t'a traité d'handicapé. Mais non, je le traite pas d'handicapé, c'est juste que j'ai pas envie de le. Enfin, il est désavantagé. Ah, t'as fait un infirme, c'est ça. Qu'est-ce que t'en sais qu'il est désavantagé? Je te passe. J'ai deux jambes, deux bras, et il a deux bras. Assem sous-estime pas le doc. C'est pas question de sous-estimer, c'est plus si je gagne, c'est. Au pire, tu me fais un croche. Allez, viens. C'est vrai que si. Attendez que la pluie se calme. Sous la pluie. Attendez que la pluie elle se calme. Bah non, mais il y a des éclairages, j'ai un générateur au ring, mais. Il va pleuvoir pendant 5 heures là comme ça. Hein. Pas moi. Mais bah, non. Je suis prêt là. Ouais, puis ça met un peu dans le cadre s'il pleut. Hein. Allez. Bon, allez, on va au ring. J'espère par contre qu'il y a un endroit couvert hein, parce que sinon on va se peler le cul au lit. Hein. Ah, il va aller dans le ring. Bah attends, faut que je prenne ma lampe, on voit rien. Attends, on va mettre ma tente. Au pire, s'il pleut trop au lit, je ramène la voiture près du ring, t'inquiète. Oh bah on se réchauffera. Hein. Bah ouais. Je ne trouve pas ma lampe. Tiens, c'est. Attends, je vais. Tu t'en sers, elle est là. Ouais, carrément. T'as pas une pile au lit? Si. Ah, j'ai tout laissé chez nous. Tiens. Tu la vois? Ouais, merci beaucoup. Hop. Ok. Hop. Allez, on va voir les autres. Ah mince. Oh merde. Je vais y tomber. Ça va? Oui, ça va. On arrive au bout. Bon, non. C'est pourquoi on verra plus qu'il y a. Oh, c'est dommage. Rien, on voit pas ce qui se passe dedans. Ah, si on s'approche un petit peu, il y a le bon compromis. Hein. Sinon, faut peut-être faire reculer la tente. Vous voulez que je recule la tente? Ah ouais, vas-y, recule là. Ouais, ça si on recule, je pense que... La mettre là, là. Il n'y avait pas les policiers à Kamenx il n'y a pas longtemps, là. Bah si, apparemment, mais ils sont venus voir personne, donc... Et vous pensez que si on les chauffe un peu en radio, on va se battre ou quoi? Franchement, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il y ait un keuf qui... Bah attends, bouge pas. Bouge pas, écoute ta radio. Le jour, il se lève bientôt le jour ou pas, là? Je t'avoue que... Ça change pas vraiment. Est-ce qu'il y a un CM? Il est terrifié, c'est ça? Oh, il y a un flic qui veut participer au tournoi. Stanislas, Nicolai. Nicolas, pardon. Bah, venez vous battre donc en ring. Avant, c'était peut-être plus simple de mettre des coups de matraque aux jeunes. Ah. Oh là 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 là, Nicolas. Comment il est chaud. Il est chaud. Et il y a Stanislas qui veut se battre. Viens te battre, Stanislas, viens. Enfoiré. Il y a une casquette à me côté là. J'avais pas envie de retourner chez moi. Une casquette? Ouais, pour me protéger. Non, j'en ai pas. Un bandana? Ah non, merci. Oh putain, regarde Olia, t'as vu faire un test de mouvement. On a des bandanas sur la tête. Je te jure, j'ai essayé. Non, je te jure, j'ai pas une tête à bandana. Casquette passe encore, mais pas le bandana. Avec ce que j'ai dit là, s'ils viennent pas se battre, je comprends pas. Oh, vous faites quoi là? Mais ça va pas commencer, vous êtes fous quoi? Mais non, on chauffe. C'est pour les mouvements parce que j'ai des petits maux de tête à cause des lumières. Tapez pas dans vos armes, vous allez vous niquer les doigts. On va commencer dans 5 minutes. Tu la vois celle-là, ce petit enchaînement là? Je vais te casser les dents! Par contre, si j'en prends une, les gars, je rentre dans le combat. Non, attendez. C'est moi qui dois rentrer. Vous fatiguez pas? Bah ouais. Là, je suis chaud comme Never. Ah, c'est vrai que j'aimais bien la boxe avant. Ah, t'as faim? Là, je suis trop lourd. Non, ça va, merci Oli. Oh, c'est pas sûr, un ours ça que j'entends?
Non. C'est les vaches. Non, non, mais ouais, là, les vaches, mais j'ai oublié de vous dire, mais quand j'étais en radio avec Moussa, j'ai cru entendre un putain d'ours. Hein. Donc faites gaffe quand même. Alors, tu peux m'ouvrir l'armure. Pourquoi il n'y a pas de place dedans, donc. Oh, je reviens, je vais chez moi. Mais avec de la place ou quoi, que je fais mes affaires. Mais oui, ouais, mais attends ici, là. Eh, vous connaissez. Ah, j'ai pile. Tu veux poser quoi? Non, mais je voulais surtout retirer mon sac. Mais si, ouais, tu poseras ça quand tu seras dans l'arène. Ouais. Ah, Stanislas, il fait dur, il a pas entendu, mais ça va le démanger quand il sera sur le ring, vous inquiétez pas. Bon, je reviens, commencez pas sans moi. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, je crois qu'on attend Stanislas là. Ouais, okay. Il arrive dans 15 minutes, voir le jeu. Ouais, vous êtes le bienvenu. Je veux le temps kiffer, Oli, ça veut dire. Hein. Ces derniers jours, c'est la tempête. C'est hein. Puis encore, t'as pas vu la brume. Hein. Parce que là, je te dis, s'il y a la brume quand on rentre, on va mettre une heure pour rentrer. Hein. Oh là là. Est-ce que l'un de vous a une hache ou une hachette? Ah non, pas sûrement. Non, désolé, Doc. C'était pas malin. Super. J'ai mis du papier dedans, comme ça au moins. Achète. Non. Ouais, bah. De toute façon, il doit avoir ça, Kamex. Eh ben dis donc. Attends, je vais aller débrancher la batterie sur la voiture. Vas-y, vas-y. Putain, je suis trempé. On va se réchauffer. Ah, quel temps de merde. Bon, après, au moins, il pleut. Faut pas qu'il pleuve trop, quoi. Après, c'est pas bon pour les plans. Non, ça va tout faire pourrir. Oula. Ah, ça va. Wow. Oh. Vous avez entendu? Ouais. Deux coups de feu. Ouais. Attention, Ça venait de vers chez Raymond, ça, non? Vers le. Ouais, il m'a dit qu'il y avait Fantomas près de chez lui. Je crois qu'il parlait d'Ahmed. Oh, super! T'aurais pu les serrer un peu plus, non? Non, c'est parfait. Génial! Ouais, c'est une belle idée, ça. Ça arrive. Il se met en slip devant nous, Victor. Allez, Victor. Ah oh, mince, j'avais pas vu, pardon. Ouais, mais là, mon futal, il est trempé. Ouais, mais moi aussi. Ah bah, moi, je vous le dis, je vais pas l'enlever devant vous. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, en slip tout mouillé, tout blanc, c'est bon, quoi. Ça se calme. Après non. Par contre, c'est bon, il y a eu des tirs là. Encore ouais. Encore actuellement là. Non, mais il y a 45 secondes. Ah oui. Ah ouais, oh, t'es loin à détendre, Victor, putain. Non, mais j'étais en train d'y réfléchir. Arrête de foutre de ma gueule. Ça va. On n'oserait pas. Personne n'oserait. Oui,
J'espère que tu seras pas lent sur le ring. Hein. Ah, c'est vrai que là, si t'as 45 minutes de latence, ça va être compliqué. C'est chaud. Ouais. Non, mais je pense que contre le Stanislav, Victor, il va y aller. Tu leur montreras. Ça fait longtemps que t'as pas gagné aussi. Tu veux venir près du feu, hein, Olia? Même moi, je vais m'approcher un peu. Nick, tu devrais t'approcher un peu. On dirait que là, putain. Ah, ouais, ça s'est calmé. Non, ouais, j'ai cru que ça s'était calmé. Ah, moi aussi. Ouais, ça se calme un peu là. Ah, bah, ouais. Il y a plus là. Putain, t'as l'œil, Oli. Ça y est, c'est fini. C'est à l'oreille. Eh bah, parfait. Comme ça, on va pouvoir se bien se mettre au bord du. De la grille. On a encore 5 minutes là devant nous. Ah, je crois que Stanislav arrive donc, ouais. Regarde comment ils sont super concentrés comme ça. Je m'assois là, vous ne marchez pas dessus. Et Doc, pas le droit au piqueur. Ouais, t'inquiète pas, on aurait pas besoin. Alors ça, va penser à vous mettre des coups de seringue sur l'ring. Ah non, c'est justement lui, il s'en met une dans la cuisse, là, histoire d'être un peu plus rapide. Ah ouais, putain, Doc, si tu fais ça, c'est quand même triste. C'est pas Nicolas, c'est pas mon choix. Après, s'il triche pour sauver des vies, moi, ça me va. Hein. Ah ouais, ça, c'est une toute autre histoire. Et pour nous taper sur la queue, mais... Enfin, mais... Bien sûr. Ah, j'avais les mains gelées, hein. Bon, du coup, Victor, on commence par qui? Je sais pas. Déjà, on va attendre Stanislas, voir si dans le ouais, mais... T'es pas conclu toi? Non, je te le dis, je marrerais bien à Cuff. Hein. Et Nicolas, il avait sacrément envie de marrer à Cuff aussi, je crois. Bon, oh, non, il y a pas besoin d'un ring moi pour foutre sur la gueule. Bon bah, je prendrais c'était assez, surtout pour qu'il vienne. Hein. Moi, je me bats pas ce soir, je vous le dis. Hein. J'ai de la route à faire. Si je prends des coups, ça va être compliqué. Je vais déboutonner ma chemise 20 secondes parce que là, j'ai les bras trempés et je vais tomber malade. Ah putain, moi aussi. Quelle horreur cette pluie. Ouais, c'est clair. On était content d'en avoir, mais putain, pas à ce point-là. Quoi. Ça. Ah bah ça y est. T'es seul. Ouais bah tu sais quoi Victor, je vais faire comme toi. Puis merde hein, putain. Ouais bah tourner le regard quand même. Ah mince, puis j'allume la lumière au bon moment. Bah toi Ali, tu peux regarder hein. Ah putain, c'est quand même mieux. Hein. Alors moi j'avais le pantalon collé aux jambes, je t'avoue, je déteste. Oh putain, je t'avais pas vu, Léna. Tu m'as fait peur. Bah Léna, elle a dû te voir. Ah désolé pour la vue, putain. Ah non, j'ai rien vu, je te jure. Oh, de toute façon, pleine lune, c'est trop tard maintenant. Je savais pas que Severo c'était à 100 km d'ici. Ils prennent la place, en fait.
Ça se trouve, il chie dessus avec son casque là. Sur Arnaud, ça. Il est peut-être tombé sur Ahmed. Hein. Ah, c'est vrai qu'il est un peu bizarre son casque pour un. Ah bah, je pense que là, quand il va l'enlever, il va perdre l'équilibre. Ah, franchement, je sais qu'il faut que je le vois, le pauvre. Il doit faire au moins 15 kilos son casque. Il est lourd. Prends soit ça le protège pour les clones, non, sur ça, hein. On pourra pas lui en vouloir. D'ailleurs, Doc, il est là, le Doc ou pas? Ah, ça va qu'on n'a pas pensé? De quoi? Ah, c'est nul. Ouais. Pour amener du monde là, le prochain coup, il faut qu'il y ait une femme qui se mette en short et qui fasse le tour du ring avec le petit panneau là dans les mains. Entre chaque... putain. Et c'est qui la femme qui ferait ça? Bah, Lucas. Ah, Julie, ou l'autre. Je le ferai. Ah, ça, Julie, bah, c'est... je pense que Julie, il n'y a même pas besoin, même pas besoin de combat. Même moi, je le fais. Même moi, je le fais, je m'en fous. Ça n'a rien. Ça aurait un effet répulsif. Eh ben... ça, Julie, un effet répulsif? Lucas et Luciano. Ouais. Ah, bah, ils vont arriver. Ils vont arriver direct s'ils sont au courant. Ils sont là, il y a 24 heures à l'avance. C'est vrai que ça. Oh là là, mais t'arrêtes de te vexer. Bah non, mais c'est vrai, c'est que mes coups, je me mets à leur place. Bah, je les aime bien, moi. Voilà. Ah bah. Si le doc il avait canné, tu aurais changé d'avis. Oui, mais il est pas mort, toi non plus. C'est pas passé, ouais, mais il a pris une balle dans le bras. Je m'exprimerai pas sur ce sujet de toute façon. En parlant du doc, il est où le doc là? Il est défilé ou quoi? Il est parti. J'en sais rien. Du coup, ça fait combien de participants? 6? Ouais. Lazare, tu prends pas mes pompes, hein. Vendeur de godasse. Pardon? Tu prends pas mes pompes, vendeur de godasse. Il y a des affaires qui sont safe par terre. Pas les mêmes. Non, les gants aussi qui sont secs par terre. Mais il est là, le doc. T'étais parti faire quoi? Piqué. Ah bah tiens, voilà le... Bonjour. Salut. Salut. Ah, bonjour. Eh bien bonjour. Il est où l'organisateur? Donc on t'entend pas. Il est là mais on l'entend pas. Non, on t'entend pas. De... Ah. Ouais, c'est moi. Excusez-moi. Ah bonjour, oui, bonjour. Bonsoir. Mais bref, bonsoir, oui. Vous êtes partant là pour vous battre? Pourquoi pas. Ça marche. Quelqu'un est intéressé pour faire un policier? Vous avez quelque chose à manger avant parce que j'ai vous avez faim, assez faim. Ah oui, oui bon. Ça route. Donnez. Merci beaucoup. C'est partant, Lazare? Oh, plus que jamais. Bah ok. Bah écoutez monsieur le policier, si jamais vous acceptez, bah vous allez vous battre contre Lazare. Ça vous va? En premier. Une petite castagne à la loyer. On fait comme ça. Pourquoi pas? Finis juste moi, je me rapproche, et j'arrive. Ouais, finissez, hein. Prenez votre temps, moi je vais chercher les matins médicales. J'arrive. Je fais l'arbitre, tiens. On se met où nous? Juste derrière? Ouais, viens. Putain, je vais poser mes affaires de l'autre côté, sinon je vais faire de la merde. Ah, pardon. Ah bah j'ai bien vu que tu voulais pas que je passe. Attends, il y a le bruit du générateur. Les meilleurs lasers. Est-ce qu'on peut faire des paris ou pas? Tu laisses tes fringues à l'intérieur? Ouais, Lazare il a fait pareil, c'est pas grave. Ah ouais? Parce que sinon on aurait pu le garder. Non là, je prends un peu de poudre.
On enlève les gants. On enlève les gants, ouais. On enlève tout. Ok, allez. Ouais, je garde que mon fut. Allez faire de même. Et les chaussures, quoi. Attends, juste le doc. Vous allez avoir froid en attendant, vous devriez garder bon, vos. On là-bas quand même. Allez, mon petit gars. Un petit check. Mais qui c'est qui donne le go? On bon, attend le doc. Ok, ok. Et prise des pêches aussi. Ah, mais remettez vos vestes bon, en attendant. Non, il fait bon, ah ouais. Franchement, moi je suis bien. Ça va, vous? Oui, tout va bien. Je me suis reposé bah, au point d'info juste avant. Je vais vous éclater la gueule. J'espère que vous êtes prêts, mon copain. Ah, on va voir, on va voir. Oh, Lazare, parle pas pour rien, s'il te plaît. Ouais, je te jure, il fait chaud, il va se faire casser la... Imagine. Non, non, et confiance en Lazare. Moi, j'ai confiance en Lazare. Bah, j'ai jamais vu ça. Donne tout, Lazare. Ouais, t'inquiète pas que je vais donner, tiens. Moi, je parie 30 clous sur Lazare. Et moi, qu'est-ce que je touche là-dessus? Ma gueule parce que j'aurais gagné 30 clous. Va te louper, mon copain. On va voir. Bon, allez, le doc, il se dépêche pas, on va commencer, c'est pas grave. Non, on attend le doc, t'inquiète pas. Pas qu'il vous quand même. Attends, t'es en confiance, j'aime bien, ça. Ah, il faut... T'es tellement en confiance que je vais donner le go avec ton arme. Et il aime moins ça. Ouais, qu'on touche à mes flags, ouais. Mais ça va, c'est. Ah oui, ça va, c'est moi. Parce que tu fais péter la rotule, comme ça je suis sûr de gagner. Ok. Et vite. T'as une date pour se servir de mes jambes. T'as des points, normalement, la boxe. Oh, il est où? Ah, il est là. Il est là. Attends, on t'attend là. Ding ding ding. C'est prêt. Ok. Tout le monde est prêt? Oui. Ouais. Les spectateurs sont bien en place? Ouais. Oui. C'est bon. Oh. Oh la vache. Fort. Bien joué ça, là-bas. Ça tape fort, hein. Allez bien, mon copain. Allez bien. La même règle à chaque match, hein. Je prends une patate, allez, je rentre dans le combat. Fous-le dans le coin, Lazare, fous-le dans le coin. Allez. Voilà. Oh putain, il est en forme. C'est parce que vous êtes policier, ça. Vous sentez mal, ouais. N'oubliez pas, hein. Vous pouvez arrêter. Voilà, Lazare. Tu l'as. Vas-y, Lazare, donne tout. Voilà, Lazare. Voilà, ah, la tête, alors, qu'est-ce que j'avais dit? Oh, mais j'ai cru entendre. C'est vrai qu'il se relève quand même. C'est ouais, t'inquiète pas. Et son subconscient. Ah, il s'est quand même cogné contre la grille. Hein. Ah, il s'est bien cogné la tête. Ramenez-lui ses vêtements. Ouais, mettez-le. Attends, je t'ai relevé, mon copain. Allez, viens. Respect, putain, respect. Oh. Ah bah, respect à toi, t'as bien encaissé, je trouve. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait autant casser la gueule. Non, mais c'est bien, ça s'entraîne, tu vois, ça fait circuler le sang par là où il faut, a priori. T'as le pipi, saigne un peu, bouge-toi. Bah, venez, on va le mettre du feu. Ah, ça va. Juste de la glace, peut-être. Ouais, de la glace, un peu d'antidouleur et... Ouais, je vois pas de blessure ouverte, donc ça... Ah, antidouleur, non, c'est bon. Pas de temps de médoc, là. D'accord. Alors, tenez. Vous mettez ça sur votre crâne. Merci. Et c'est bon. Moi aussi, j'en veux bien un peu, si t'as de la glace. Bah, pourtant, écoute, je t'ai presque pas cogné. Tu colles ton crâne contre son crâne et vous partagez la poche de glace, j'en ai plus. Non, je vais y rendre. Merci. Je suis bien. C'est un beau combat. Ah, ça va. J'ai des canettes fraîches à la maison. Moi, Sam. Pourtant, pas Sam. Ça faisait longtemps que je m'étais pas battu contre quelqu'un. Ouais, hein, gens, du coup. Mis à part des clones. Ouais, non, bah justement, on s'en est quelques-uns. Pendant le week-end, ça va. Le combat, on va attendre un peu. On va détenir la forme. Putain. Ah, c'est le marbreux qui le...
qui la ferme un peu. Allez Doc, montre-lui que les handicapés ça peut lui botter le cul. Putain, t'as trouvé dans le cul, j'aurais pas aimé. Doc, je te préviens, je vois une tricherie, je t'explose l'autre jambe. Mais, bonne chance. Ou tu lui dévisses celle qu'il a déjà. Hein. Au pire. Au pire. Allez, donne-moi ça, je vais donner plus en avec ça. J'utilise pas mes bottes. Là, offrez-nous du spectacle. Merde, il est un peu loin à ce que par là, ma gauche. Allez, c'est quand tu veux. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? C'est bon. Ouh, mmh. Vas-y Doc! Agressif! Montre-lui ce que c'est! Montre-lui ce que c'est les bras sans vue! Alors Asim! Qu'est-ce qui t'arrive? Ouf. Vas-y Doc! Ouh là 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 là! Ouais, ça rend coup pour coup! Avance, Doc, ça rend coup pour coup! Le laisse pas se remettre de ses émotions! Bien joué, bien joué! Il se rend coup pour coup! Oh putain! La tension est à son comble! Regarde-le! Alors on a du mal à scène! Un petit cube! Oh, vous bravo! Jeu de jambes. Ah, scène, tu peux abandonner, hein! Couche-toi au sol, abandonne! Tape trois fois au sol, hein! T'en voudras pas. T'inquiète pas, je prends mon souffle! Oh t'es sûr de toi, c'est encore debout. Putain, il est coriace. Oh là 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 là. Il n'arrive plus à le toucher. T'es sûr de toi, Sam? T'es sûr? T'inquiète, je vais jusqu'au bout. Oh là là, vas-y. T'es sûr? Ils se rendent coup pour coup. Attendez. Pose. Sam, t'es sûr que ça va? Asem, t'es sûr que ça va? Ça va le faire, je m'accroche, t'inquiète. Okay, c'est reparti. Allez, titube quand même un peu Asem là, putain. Bon allez, j'abandonne. C'est bon. Ah non, là je joue pas comme ça. Non, non, comme non. Non, par contre, Doc, non. Doc, tu n'as pas le droit d'abandonner quand tu gagnes. C'est pas possible, si Asem sinon, n'abandonne pas. Donc, okay, on continue. On continue. Allez, une dernière, Doc. Sèche-le! Oh là là! Oh putain! Arrête Asim! Je t'en supplie! Ouh! Te laisse pas faire! Ouh! Allez, mets le KO! Asim qui reprend du poil de la bête! Mets le KO, Doc! Une grosse pêche dans le monde! Tu l'as, Doc! Ah, j'abandonne! Tu m'as eu. Mets-toi devant le feu. Ok. Bien joué. Et il a le mérite d'être resté jusqu'au bout. Bordel. Et je pense qu'on peut l'applaudir pour cela, messieurs dames. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour Asim. Bravo au Doc, sur toi. J'ai eu beaucoup de mal pour marcher. Intense. Ça va le faire. Tu vas Doc, tu t'en rends ça. Je vais aider Asim. Allez, viens Asim. Oh putain! Elle m'a couillé l'enfoiré! Eh bravo, Doc! Oh bravo! Eh, faut l'aider à descendre les marches là! Oh putain! Attention! Après du feu! Doc? Ouais, du moins! Tiens! Après, c'est moi contre toi là, Zara, attends juste que je me remette un peu! Ouais, pas un mot de ça à Ivan, Doc, tiens. Parce que sinon il va vouloir marbrer! Ah putain! Ah ouais, c'est le jeu, hein. On pourra faire la manche des perdants après. Qu'est-ce que tu cherches dans le baril, Ivan? Eh putain, moi j'ai pas encore combattu les mecs. Ouais, je m'assois un peu. Moi j'ai pas encore combattu là. Ça va aller? Bon, Nicolas, tu veux pas te donner un coup? Non, je te dis, j'ai de la route à faire après. Ah ouais, non, franchement. Je sais pas qu'il était comme ça. Si je prends un mauvais coup ou quoi, que je peux pas rentrer, ça me ferait chier quand même. Et Lazare, toi t'es pas en état? Ouais, non. Mais moi je suis en état, mais je suis l'état. Oh, Doc, je pense que t'en as plus besoin que moi. Ah, ah Sam. Ça va, j'ai la tête qui tourne un peu là. Ah,
Je vois ça, putain, la vache. Ah, tu encaisses quand même de ouf. Les pommettes, elles sont bien gonflées quand même. Ouais, attends, encaisses quand même. Ah ouais, franchement, j'avoue que respect.